Salut les amis, c'est Carmano, j'espère que vous allez tous très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Super Mario Galaxy 1, je sais même plus lequel c'est. Sur Nintendo Wii, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Alors on continue notre avancée. En fait j'avais dit qu'on irait peut-être jusqu'à genre 70 étoiles peut-être avant d'aller à la fin du jeu. Je pense que ce serait bien plutôt qu'on aille à 100 étoiles avant de s'occuper du boss final. Bref, dans tous les cas, on va continuer la forteresse rocheuse parce qu'il nous manque pas mal de trucs hein. Une étoile verte, une étoile secrète verte et... une comète blanche. Alors, dans mon idée, c'était là que se trouvait Luigi, hein. Mais là, on n'aura pas la réponse à notre question, puisque de toute façon, on va être obligé de faire la comète blanche. Je sais pas ce que c'est que la comète blanche. Je sais plus du tout. C'est quoi, ça? Oh non, la menace Begoman, pas de seconde chance. Donc, ce sont les comètes blanches qui sont les pires du jeu. Bon, ça va, parce que le roi Begoman, normalement, c'est pas non plus si compliqué que ça, mais bon... Tout de même, j'ai un petit peu peur. On va voir. Alors, bah, souhaitez-moi bonne chance, les amis. Là, je n'ai qu'un point de vie. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est encore la manette qui bug. Mais je sais pas pourquoi des fois elle fait ça. Heureusement qu'elle bug à un moment où il n'y a pas d'ennemis qui m'attaquent. Mais sinon, bon, sinon si j'avais perdu une vie à ce moment, on ne l'aurait pas compté. Vous êtes d'accord, hein? Ok, alors toi, tu t'en vas. Heureusement qu'ils ne peuvent pas nous faire de dégâts. Bon, alors... Je pourrais me faire toucher par les trucs verts, là. Combien de vies je vais perdre dans cet épisode, les amis? Laissez vos pronostics dans les commentaires. J'espère aucun, mais... Parce que lui, par contre, pour le coup, il nous fait des dégâts, hein. Ok, heureusement, il nous attaque pas tant qu'il y a les petits. Ça va, il est gentil, hein. Bah, c'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Voilà, très bien, très bien. Je l'ai jeté absolument pas là où il fallait. Il va m'attaquer ou non? Toujours pas. En fait, il nous attaque pas tant qu'il y a les... tant qu'il y a ses bébés. D'accord, il veut montrer... Enfin, il veut que ses bébés le protègent. D'accord, très bien. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, non. J'en ai eu un. Très bien. Pour l'instant, je m'en sors pas mal. Et je crois que c'est l'un des boss les plus faciles à battre sans seconde chance. Il n'y a pas un boss à un moment, c'est un espèce d'arbre. Sauf qu'en fait, c'est pas un arbre, il est fait de cailloux. Donc en fait c'est pas du tout un arbre, et il nous envoie des cailloux et tout, il y a des bouts noirs et tout. Je crois qu'il y a ça, c'est peut-être dans Mario Galaxy 2. Je sais plus mais ça me dit quelque... Ce boss je sais qu'il existe, dans le 1 ou dans le 2, et il faut le battre. Si j'en parle c'est parce que je sais qu'il faut le battre à un moment en pas de seconde chance. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Bon, 41 étoiles, très bien. Alors voyons voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Luigi par là, donc? On n'était pas dans ce niveau-là. On était dans celui-là. Sinon, on a quand même deux trucs. Est-ce que ça va nous indiquer? Ou si ça ne nous indique pas, on les fait pas. Hein, mais on les fera peut-être plus tard, mais... voyons voir. Si, mais... Ah, mais attendez, mais là, ben, ça m'aide pas. Hein. Comment je sais où il est, Luigi, là-dedans? On va dire que Luigi, c'est probablement une étoile normale. Bah, je ne sais pas. Ah si, Luigi, il était où? Je peux consulter ici ou je peux consulter que... Oui, je peux. Voyons voir. Ah... Non, je sais pas où c'est. Attendez, quoi? Attendez, mais c'est pas du tout cette étoile, en fait. Oh non. Oh non, je sais ce que je suis en train de faire, là. Je crois que je suis parti pour faire la... la décharge. Oh mon dieu. Je crois que je suis en train de faire la pire erreur de ma vie. Ok, alors, si je veux faire la décharge... Bon, déjà, il faut récupérer tous ces machins-là. Ok, voilà. J'aurais jamais dû faire ça. Attends, j'y suis, hein, c'est comme ça, c'est mon choix, hein. Bon, c'est... Je dois quand même vous dire que c'est un choix que je n'ai pas fait en toute connaissance de cause. Mais oui, je vais probablement perdre beaucoup de vie sur ce niveau. Je sais pas combien, mais pas mal. Très probablement. Ça va trop loin, là. C'est sûr, ça peut l'avoir. Ouais, si, c'est bon, très bien. Non, parce que si je veux aller dans la... Mais je veux pas y aller dans le truc de la décharge. Mais si je veux y aller, c'est vrai qu'il faut que j'ai un max de fragments d'étoiles. Voilà, c'est bon. Ok, maintenant, il explose. S'il est pas là, le petit... Non, il doit être sur la planète suivante. Mais alors, Luigi nous donne une étoile verte, ici. Apparemment. Donc, voici, il est là, ce goinfreux Luma. Là, non? Non, là.
Aïe, il va nous en demander combien là? Diling, diling, tu n'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments, je vais en manger plein, plein, plein! 30. C'est bon, j'en ai 30. Mince, mince! Mais je veux te les donner. Je regrette déjà amèrement. Ça y est, je suis repu, alors on y va! Transformation! C'est la décharge ou pas? C'est ça. Bon, c'est parti pour perdre énormément de vie. Bon, par contre, je pourrais essayer juste avant de faire... juste avant de mourir, de faire une dernière chose cool. C'est-à-dire de récupérer plein de fragments d'étoiles avec ce truc-là. Ça, c'est marrant. Voilà. Ce sera le dernier truc cool que je ferai avant de perdre mes 57 vies. Bon, je vais quand même pas perdre 57 vies, n'abusons pas. Mais peut-être pas si loin que ça, hein, je ne sais pas. Allez, toi, viens là. Très bien. Parfait, ça c'est fait, super. Attends, il reste plus que eux. Ah non, il y en a un autre. Voilà, c'est bon, je les ai tous eus. Bon, maintenant, il suffit que je récupère les fragments d'étoiles. Et comme ça, je regagne un peu de vie, parce qu'avec toutes celles que je vais perdre, ça se trouve, je vais y arriver du premier coup. Non, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que j'y arrive du premier coup. C'est trop dur, c'est vraiment, mais en temps chronométré, mais c'est au poil de moustache, ce truc. À quoi ça sert le tuyau? Il n'y a rien par ici, c'est un cul-de-sac, ce n'est qu'une décharge. Mais qui a fait ça? Qui a jeté des déchets recyclables ici? Dis, si je te prête le nécessaire, tu veux bien mettre un peu d'ordre dans le coin? Je m'en occupe. Alors, je compte sur toi. Et si on n'y arrive pas, il nous tue. Ce mec, il nous tue, quoi. Genre, tout à fait logique, quoi. Moi aussi, quand les gens, ils font pas le ménage chez moi, je les tue. Alors déjà, j'ai perdu du temps. Ok, très bien. Alors, non. Ah, je crois qu'il faut se repérer par rapport au truc doré qu'il y a sur... Eh, ça servirait peut-être à ça, non? Les trucs dorés, ils servent peut-être... d'accord, je suis bloqué. Ils servent peut-être à ça. Oh! Ça paraîtrait finalement un petit peu logique. Ok, mais attendez, mais je vais pas y arriver du premier coup, quand même. Y a pas une version plus dure de ce jeu? Ah, mais est-ce que ça va exploser à temps? Explose, explose, explose! D'accord. Non, 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 et non! Il faut te remuer plus vite! Y a toujours plein de déchets, alors t'es le bienvenu pour me filer un coup de main quand tu veux! Ah, il ne tue pas! Ah, c'est gentil, on perd pas de vie. Ah, je croyais qu'on en perdait. Ouf, heureusement, on n'est plus dans Super Mario 64. Donc oui, je crois que effectivement, il faut les jeter sur les trucs dorés. Ça paraîtrait assez logique, en fait. Ça voudrait dire que ces machins dorés servent à quelque chose. Mais oui! Et attendez, je découvre ça 13 ans après la sortie du jeu. Vaut mieux le découvrir plutôt tard que jamais, non? Mieux vaut tard que jamais. Je sais pas si je l'aurai, celui qui est là-bas, au fond. Il a l'air d'être un peu trop loin. Ok, allez, je l'ai, je l'ai. Alors ça, je sais pas si je vais les avoir, s'ils arrivent à exploser. Mais ils mettent combien de temps à exploser, ces machins? On peut pas les faire exploser plus vite, hein? Non. C'est bon! Merci, merci, c'est tout propre maintenant! Tiens, j'ai trouvé ce truc-là, je te le donne si tu veux. Bah oui, oui, j'en veux bien de ton truc-là. À quoi ça sert le tuyau, là? Le tuyau, c'est pas une version plus difficile? Attendez, non! Non! Mon étoile! Ah! Ok, j'ai eu peur. Oh là là! J'ai eu peur! Mon dieu! Mais là, je. Je me dis, c'est pas vrai, je débloque l'étoile et je la ramasse même pas! Bon, ça compte pas comme une mort, très bien, on n'ajoute rien au compteur de mort. Pour l'instant, le compteur de mort de cette vidéo est à 0. Mais le compteur de mort total, il est à 12, je crois. C'est pas super. Heureusement que je faisais pas un mode hardcore sur le jeu. Sinon, ça ferait longtemps que j'aurais dû abandonner. Ok, parfait, nouveau record, super. Une nouvelle galaxie a été découverte? Ah, dans la chambre, très bien. Bah, on ira. Mais d'abord, je veux récupérer l'étoile verte qu'il y a là. Et je sais pas où est la dernière étoile verte, il y en a 3, non? Donc, juste ici. Allons-y. T'es prêt, Mario? C'est parti. Alors, ouais, l'assaut de la forteresse. Là, c'est bien Luigi à délivrer. Et d'ailleurs, on sait à peu près où il est. Enfin, je sais pas exactement où il est, mais... Non, on a vu vite fait, donc... attendez, où se trouve le machin bleu? Alors, pas là, mais ça, c'est aussi intéressant. C'est bon, ok, j'ai tout. Très bien. C'est quoi, ça? Non, c'est nul. On s'en fiche. Ok, les petits Begoman. Eux, c'est pas des Begoman, je sais toujours pas comment ça s'appelle.
des bégos mini. Je sais plus comment ça s'appelle ces machins là. Ils sont trop mignons. Bon, je le ramasserai pas. Ça c'est nul. Je l'ai eu, c'est bon. Ok, il va pas en manquer une en plus parce qu'il y en a une là et une autre là-bas. Voilà, parfait, c'est bon. C'est bien que les chemins restent affichés en fait. Je savais pas qu'ils restaient affichés quand tu quittais le niveau et que tu revenais. Je croyais qu'ils étaient affichés que le temps du niveau. Comme ça, après, tu sais à peu près où tu vas aller. Donc, t'es pas. Enfin, si tu veux découvrir de nouvelles zones, normalement, tu peux les découvrir, quoi. Ok, ça, j'aurais bien voulu ramasser. Voilà. Très bien. Alors, Luigi, il va se trouver quelque part par là. Là, je me souviens, il y avait ces éclairs. Enfin, il y avait ces barrières vertes là. Donc, il doit pas être si loin. La caméra là, elle peut pas avancer un. Je sais pas, la caméra elle était bloquée là, c'était bizarre. Ah, merci. Là, on parle. Là, c'est des trucs que j'aime. Super. Il va falloir envoyer d'autres. Ok, on fait gaffe. Je suis obligé d'aller en bas par contre. Voilà. Mon record de pièces, il était de combien? 4 ou 5? Un truc du genre, c'est toujours pareil. J'entends des bruits de fragments étoiles, mais je sais pas où ils sont. Ok, là, il y en a qui sont tombés, donc c'est vous, mais ils sont là. Ah, ça c'est cool. Sauf qu'on en rate plein, mais c'est cool quand même. Ok, très bien. Luigi, il est où? Il est pas si loin là, si? Je crois qu'il doit être dans le coin là maintenant. Oh, j'en ai déjà 78, c'est pas mal. Il doit être tout à la fin, mais dessous, non? Ouh, j'ai failli me les prendre. Là. Il doit être en dessous d'une des plateformes qu'il y a là. Et ben voilà. Au secours, viens m'aider! Comment il fait Luigi pour se retrouver à chaque fois dans des situations pareilles? Heureusement qu'on est là quand même. Ok, ça on va s'en débarrasser maintenant parce que sinon ils vont nous poser problème après. Ok, c'est bon, très bien. Surtout qu'il ne donne vraiment rien d'intéressant. Oh oh! Tout ça pour un fragment d'étoile. Ils sont les bilbales. Ah, ils sont là. Les bilbales, détruisez tous les trucs là. Alors, il y en a un qui détruit ça. Et l'autre, tu détruis ceci. Ah, mais non, parce qu'il faut les faire passer en dessous, non? Bon, c'est pas grave, je veux les morceaux, je veux les fragments d'étoiles. Voilà. Et toi là-bas, tu me vois? Non, il est parti trop loin. Là, tu me vois? Ok. Tu vas juste ici. C'est bon. C'est quoi ça? Ah, ok, encore des fragments d'étoiles. Bon, je crois qu'il faut que je descende. De là, faut que je les fasse. Ils vont venir vers moi ou pas là? Je suis peut-être trop loin, je sais pas s'ils vont. Ok, je sais pas si je vais réussir à les attirer. Ouais, si, mais ça marche pas. Ok, toi, viens là. Suis-moi. Ensuite, on descend. Très bien. Donc là, maintenant, faut aller là-bas. Faire attention à ce truc-là, tu vas te le prendre. Ok, d'accord. Bon. En plus, on peut même pas les détruire, ces trucs-là. Donc, à chaque fois, ils seront là pour me gêner. T'es là. Oh, fais gaffe. Non. Il a pas assez fait gaffe. Ok, viens là. On va passer par là. Très bien. J'ai eu peur qu'il détruise le champivy. Enfin, qu'il détruise le... Ok, la prison du champivy. Wouah, j'ai cru que j'allais étouffer. Hé, Mario, tu aurais pu venir plus tôt. Ah oui, tu veux la super étoile, c'est ça? Dis bien, Harmonix, c'est moi qui l'ai trouvée. Ouais, c'est toi qui l'as trouvée, mais au final, c'est nous qui avons dû aller la chercher. Donc c'était quand même à moitié utile, Luigi. Hein. La super étoile est à moi. Ouais, non, elle est plutôt à moi, écrit en rouge, pas en vert. Bah merci Luigi, merci de ton aide. Bon, maintenant qu'on a eu celle-là, on va pouvoir aller peut-être à la nouvelle galaxie qu'on a débloquée. On peut aller la découvrir. On n'est toujours pas allé dans le nouveau monde. Ok, on sauvegarde. Très bien. Le nouveau monde, on ira plus tard. Plus tard. Pour l'instant, on a le temps. Donc, comment on y va, là? Attendez. Ouais, ou quoi? C'était là, je crois. C'est dans la chambre, donc c'est vrai que la chambre, c'est pas compliqué. Enfin, ce qui est compliqué, c'est que tu peux tomber dans le vide au tout début. Mais voilà, il suffit de passer comme ça. Et voilà. Attendez. On avait déjà débloqué une nouvelle galaxie ici, non?
Bon, je dois confondre avec un autre truc. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi? Là, il y a d'autres étoiles, non? C'est quoi ça? La ruche d'escalade. Ok, ça a l'air fun, ça. Transformé en Mario Abeille, on va devoir escalader tout le niveau. Bah écoutez, allons-y les amis. Toujours plus haut, Mario Abeille. Faudrait à chaque fois qu'on ait une vue d'ensemble dès que les comètes elles arrivent, parce que je suis sûr on peut en louper des comètes, c'est pas drôle ça. Donc ça a pas l'air d'être si haut que ça. Mais je crois qu'il y a plusieurs parties. Hein. Donc on verra quand on aura passé la première. Super. Donc oui, c'est quand même assez vérifié dans ce jeu la règle du fait que les champignons nous donnent des transformations qui sont jamais temporaires, alors que les... Enfin, tu perds quand tu te fais toucher, quoi. Alors que les fleurs, elles, te donnent des transformations que tu perds dès qu'il y a un certain temps qui est passé. Ok, je pense que j'aurais pu y aller sans votre aide aux petites plateformes, mais merci, c'est quand même très gentil, j'apprécie. Ok, je peux ramasser les trucs? Oui, non, vous... Oui, oui, merci. Il va y avoir une vie à gauche. Ah non! Ok, il y a ça. Oh, oh, oh. C'est cool. C'est très cool. Bref, ok, on récupère tout ce qu'on peut. Ce qui sera presque tout, sauf ceux là-haut, on peut les avoir. Et ceux sur le côté aussi. Parce que ça part dans tous les sens. Ok, allez, on monte. Non, 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 non. Ce serait pas le temps de tomber maintenant, hein. Après tout ce qu'on a fait. Surtout que je suis presque sûr qu'on tombe dans le vide, là. Oh, 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 oh. Ok, très bien. Oh là 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 là. Eh oui, effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge, là. Ça continue encore. Oh, c'est le truc qui a fait me faire tomber, là. Il y a des météorites, maintenant, qui tombent toujours sur une bonne trajectoire. Genre... Ok, très, comment dire, je sais pas comment on dit, mais sous un bon tempo. Alors, ok, ça je peux leur sauter au-dessus, je ne crois pas, si. Bon, pourquoi leur sauter au-dessus quand on peut aller chercher une vie? Qu'est-ce que je fais là? D'accord, je monte là. Oula, oula, oula. Oulala, oulala, oulala. Ok, comment je fais là? Ok, alors non. On va quitter cet endroit au plus vite. Cet endroit de malheur, c'est horrible. Oh, j'en ai quand même énormément des fragments d'étoiles, j'en ai 160. J'aime bien ce genre de mission. Franchement, ça va super vite là, ce genre de mission pour récupérer des fragments d'étoiles. C'est très plaisant. Ok. Là, il peut pas m'avoir. Bon, en plus, s'il s'arrête là, il peut encore moins m'avoir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous venez passer là? Pourquoi on peut se poser là? Pourquoi? Pour monter après direct? D'accord. Ok, bah pourquoi pas. Donc là, je reste comme ça. C'était sûr qu'il allait essayer de m'avoir. Non, bah ça s'est bien passé en fait. Je crois que j'ai skippé quelques trucs en fait. Je pense que... Enfin, je sais pas s'il fallait faire vraiment comme ça, mais en tout cas, moi je l'ai fait. Ah, même si je suis plus dans cette trajectoire... Le truc, il me fonce dessus quand même. D'accord. C'est bon. Parfait. Bon, elle était cool cette galaxie, mais par contre un petit peu redondante parce que c'est vrai qu'il fallait faire tout le temps la même chose. Hein. Y a-t-il d'autres étoiles dans ce système galactique qu'on pourrait récupérer? Ça s'appelle comment un ensemble de galaxies? Un ensemble de planètes qui tournent autour d'une étoile? C'est généralement un système stellaire. Les systèmes solaires font généralement, pas forcément toujours, mais généralement partie d'une galaxie. La galaxie, ça fait partie de quoi? Je sais, en anglais, ça s'appelle un cluster, mais je sais pas comment ça s'appelle en français. Enfin bref, c'est parti pour le volcan de glace, on pourrait essayer de le terminer. Enfin, ça m'étonnerait qu'on le finisse parce que bah si, si, c'est vrai que j'ai déjà eu l'étoile secrète qu'il y avait là, donc ouais, à mon avis, on la terminera peut-être. C'est morsure du froid, brûlure du feu. Que c'est que ça? Eh mais on a déjà fait ce passage, mais sauf qu'il était glacé quand on était avec Mario Cosmic. C'était presque la même chose, sauf que c'était tout glacé. Oula! Ah ouais, c'est qu'il y a eu le choc des températures, c'est ça? Le choc des températures.
on fait gaffe quand même. Les petits soleils, ça doit faire mal. Ok, très bien. Pas trop vite, pas trop vite, hein, parce que les petites météorites aussi, ça doit faire mal. Je sais pas si c'est des météorites ou quoi, mais ça ne me dit à rien qui vaille. Ok, c'est quoi cette plateforme là-bas? Cette planète, on n'y est jamais allé? Elle est nouvelle? D'accord. Oh non. Je peux aller dans l'eau ici ou pas? Ah, je reçois des dégâts. D'accord, c'était ce que je voulais vérifier. Bon, on a notre réponse. Non mais je savais vraiment pas, hein. Je me disais... est-ce que cette eau-là, elle est glacée ou pas? Et finalement, bah oui, elle l'est. Alors... Ok... Oui, super... Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça je m'en doutais encore. Ouais, un peu déçu. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Je regrette déjà. Enfin, ça va, j'ai l'impression que l'eau, elle peut pas monter très haut, en fait. Ouais, non, elle a l'air de pas pouvoir monter très très haut. Donc, en fait, ce qu'il faut que je trouve... Non, pas tout de suite. Ce qu'il faut que je trouve, c'est une fleur de feu. Qui doit être quelque part par là-bas, je pense. Ah, c'est pas un truc où il faut aller la chercher super loin et après revenir. Ça me dit un truc. Et ça, je peux le faire aussi. Oh là 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 là. Bon, on fera ça quand on aura le truc de feu, non? Ah, mais on peut pas. Ah, qu'est-ce qu'ils sont agaçants, ces oursins, là? C'est bon. J'aurais dû procéder comme ça. C'était une meilleure tactique. Ok, très bien. On peut aller sur le haut là? Ah non, on peut même pas faire de saut mural. Je pense qu'ils ont dû se dire la même chose, les développeurs. Ah, elle est juste là. Oh non. Ah non, c'est la lave qui monte. Je préférais quand c'était l'eau que la lave. Même si l'eau nous faisait des dégâts, c'était quand même plus rassurant. Parce que là, ça nous fait des dégâts, mais en plus ça nous désoriente et je vois rien. Ah bah merci. D'accord, c'est bon. Ah non mais, c'était quoi cette caméra? Je voyais plus rien. Ok, très bien. Pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. Mais c'était pas long de se jeter dans le vide. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je dis tous ces trucs-là? Alors que ce serait peut-être mon seul moyen d'éviter les oursins géants, là. Aïe. Aïe. En plus, Mario, il met tellement de temps à se relever que, genre, il pourrait se refaire... Il pourrait se refaire tuer. Et viens ici, ouais. Non, mais attends, 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 attends. Pas comme ça, là. Et brûle, 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 brûle. Vas-y. Ah, bah, ok, il a brûlé tout seul. Ah, maintenant, la pièce, elle disparaît. Oh, non. Je croyais qu'elle m'attendrait. non. 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 Moi, faut que j'aille là. Comment ça? Oui, le truc, il cramait pas, là. C'était quoi, cette histoire? C'était quoi, là? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Ok, il y en a un autre qui est tombé. Eux, j'aime vraiment quand ils tombent dans la lave. C'est l'un des trucs qui me fait le plus plaisir au monde. Oh là là, mais j'ai vraiment trop vite, en fait. C'est quoi, cette histoire? Ok, très bien. Mais j'aurais perdu ma vie supplémentaire, c'est dommage. Allez, Mario de feu et Mario de glace, oui, on l'a oublié. Le jeu ne sait même plus qu'il a existé un jour. Alors, je reçois toujours des dégâts, j'imagine, par l'eau, même quand je suis en Mario de feu. Hein. Ok, vas-y. Et c'est bon. Alors, avant qu'on s'en aille, je veux quand même faire le truc là au centre. Je m'occupe pas de tous les oursins, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais... Voilà. Et ça voudrait dire revenir chercher la transformation. Oh, il y avait... Ok, il y avait un bloc, mais je l'ai vu au dernier moment. Tant pis. Au final, on y sera allé qu'une seule fois sur la montagne. Enfin, en théorie, c'est deux, parce qu'il y avait une étoile secrète, mais je l'ai eu du premier coup. Alors, très bien, on nous redonne ma transformation préférée du jeu. Super. C'est vrai qu'elle dure qu'un certain temps. Oh là là. Donc là, d'un coup, c'est plus trop ma transformation préférée. À partir du moment où il faut faire ça sur de la lave. Ok. On peut y aller tranquillement, non? Je crois qu'on ne peut pas y aller tranquillement. C'est bon. Ok, il y en a une autre. Il y en a une autre. Donc c'est pas grave qu'on l'ait perdu. Alors ça me stresse beaucoup. Ok, les trucs qui bougent comme ça, ça me stressait énormément. Et je vois rien avec la caméra là. C'est bon? Il faut aller jusqu'à la fin. Attendez, mais... Je vois pas l'étoile là.
Même en cherchant loin, je la vois. Ah si, si, mais alors elle est vraiment loin. Merci de m'en redonner une. Ok, alors ça, c'était pas une très bonne idée. Ils auraient dû faire un chemin un petit peu plus large. Bon, c'est bon, on va y arriver sans problème. Là, ça, normalement, je l'avais fait comme ça. Wouhou ! Et ben voilà, la première fois, j'étais arrivé juste avec un saut en longueur. Et donc là, on fait la même. Ça se sera plutôt bien passé, cette vidéo. Hein. J'avais peur de perdre des vies. Et finalement, non. L'épreuve de la décharge m'a quand même bien moins saoulé que je ne le pensais. C'est cool. Volcan de glace, ça c'est terminé. Bon, alors, une nouvelle galaxie a été découverte encore. Ah oui, mais c'est dans la salle des machines. On va pas aller dans la salle des machines maintenant. Je pense qu'on ira... Ok, je pense qu'on va faire encore un épisode. Et dans le proche... Donc dans le prochain, on va continuer de compléter un peu. Et dans le suivant, on fera la salle des machines. Par contre, juste ce que je veux voir avant qu'on y aille... Ah, j'aimerais... On va quand même parler au Luma Vert, parce qu'on m'avait dit d'aller lui parler, et c'est vrai que je l'ai pas fait, et qu'en fait, je sais pas trop ce qu'il va m'expliquer, mais je m'attends à ce que ça doit être un truc genre « Il faut que tu trouves les trois autres étoiles vertes !» Voilà, c'est tout. Enfin, les trois étoiles vertes tout court. La galaxie des épreuves se trouve aux confins les plus reculés de l'univers. C'est un monde qui transcende de loin ton entendement, ton imagination et tes limites. Merci. Nous sommes des gardiens de la galaxie des épreuves. Pour ouvrir le portail permettant de s'y rendre, les pouvoirs d'un autre gardien sont nécessaires. Voilà, donc quand j'aurai les trois étoiles vertes, c'est bon pour y aller tranquille. Il est où, Capitaine Todd? S'il a peut-être un petit message de Luigi, non? Capitaine Todd? Non? Mario, je suis le facteur, le courrier va arriver, un peu de patience! Ok, alors, il n'y a aucune météorite d'après ce qu'on voit. D'accord, ok. Et bah les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Super Mario Galaxy sur Nintendo Wii. J'espère que cette série vous plaît toujours. Merci à tous ceux qui la suivent. N'oubliez pas comme d'habitude de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut !